moralement ou matériellement à la reconstruction de cette grande mosquée fondée en 1665 et qui demeure la première grande mosquée de Télémélé, voire même de la Basse-Côte. Nous remercions l'autorité préfectorale à sa tête, le colonel Mamadou Lamarana Diallo, pour ses efforts louables qu'il ne cesse d'apporter à la communauté de Broual. C'est le lieu et le moment de remercier et féliciter le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui ne cesse de cultiver dans l'esprit des Guinéens la paix, l'unité, sans lesquelles il n'y a pas de développement. Vive la préfecture de Télémélé, vive le colonel Mamadou Lamarana Diallo, vive la paix, je vous remercie. Chers frères et sœurs fidèles musulmans, au nom de notre association, au nom du président de la commission de reconstruction, Elhadj Malad Obari, permettez-moi de vous accueillir au sein de cette mosquée fondée il y a environ 400 ans par Tcherno Motelico. Pour remercier chaleureusement votre présence, votre déplacement pour assister à cette cérémonie de démarrage de travaux de reconstruction et d'extension de notre mosquée en ce jour 29 janvier 2024. Cette cérémonie restera gravée dans nos cœurs et restera un moment inoubliable pour tous ceux qui sont ici présents. Ceux qui ont été empêchés pour une raison ou pour une autre, c'est le moment d'avoir une grande pensée et d'intenses prières pour le fondateur Tcherno Motelico et pour tous nos devanciers qui se sont battus pour implanter et faire rayonner l'islam dans cette partie de la Guinée. Je voudrais à présent pour présenter le projet de reconstruction et d'extension de notre mosquée, dont la surface battue est de 385 mètres carrés et qui comprend un ray de chaussée, une mise mine, une salle de prière pour dames, des blocs latérines et une morgue. La mosquée est équipée d'un forage avec panneaux solaires et dispose d'une cour aménagée avec de beaux arbres fruitiers et à ombrage. Nous tenons à remercier nos frères et sœurs venus des autres préfectures, des autres villages de Télico et la Guinée d'ailleurs, et du monde entier. Ici, c'est le grand Télico qui retrouve et qui vous accueille. Vous êtes chez vous, Kossadi, Kotoli, comme on le dit dans la langue du terroir. Nous continuerons à organiser des collectes de fonds qui sont suivies et bien gérées. Et ça, je vous le garantis, des comptes rendus seront faits car nous travaillons pour les générations futures et pour les fidèles musulmans du monde entier. Grâce à nos contributions, nous irons plus vite et plus loin et nous vous livrerons une très belle mosquée. C'est d'ailleurs le moment de remercier notre grand architecte, Elhadj Abdourahmane Baldé Kankalabé. Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués pour l'organisation et la réalisation de cette cérémonie, et particulièrement nos mamans et nos sœurs qui se sont battus sans arrêt depuis plus de 3 jours pour rendre notre séjour agréable. Soyez tous remerciés pour votre déplacement et nous vous souhaitons bon retour dans vos familles respectives. Inch'Allah, nous vous inviterons très prochainement pour l'ouverture de cette maison de Dieu. Je prie Dieu de vous garder tous en bonne santé pour assister à cette cérémonie.